Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon G. And in this lesson, we'll work together on les verbes et les prépositions, and it's the number 8. Okay, so but before starting, we should definitely see some keywords together because I will use them quite often in this video. The first one is quelqu'un, and it means someone or somebody. Then quelque chose, something, and then quelque part, somewhere or someplace. Okay, and we can start with the first verb and it is fermer. Okay, so let's see now the structures we've got with fermer. And first one, la première, c'est fermer quelque chose. Okay, pas de préposition. Fermer quelque chose. Deuxième structure, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. Okay. Encore une fois, fermer quelque chose, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. Deuxième verbe, verbe finir. Verbe finir, première structure, finir quelque chose. Pas de préposition, finir quelque chose. Finir quelque chose plus un adverbe. Finir par quelque chose. Finir avec quelque chose finir par plus verbe à l'infinitif finir de plus verbe à l'infinitif OK so you can see many structures so we we'll see them one more time finir quelque chose finir quelque chose plus un adverbe finir par quelque chose finir avec quelque chose finir par plus verbe à l'infinitif finir de plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant verbe fonder. Fonder. Regardons les structures ensemble. Fonder quelque chose, pas de préposition. Fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. OK, so one more time, encore une fois. Fonder quelque chose, fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Verbe suivant verbe forcer forcer, première structure, forcer quelqu'un, forcer quelque chose, pas de préposition, forcer quelqu'un à quelque chose, forcer quelqu'un à plus verbe à l'infinitif. OK Encore une fois, forcer quelqu'un, forcer quelque chose, forcer quelqu'un à quelque chose, forcer quelqu'un à plus verbe à l'infinitif verbe suivant verbe gagner gagner trois structures première structure gagner quelque chose pas de préposition gagner quelque chose gagner en quelque chose troisième structure gagner à plus verbe à l'infinitif gagner quelque chose gagner en quelque chose gagner à plus verbe à l'infinitif verbe suivant Verbe garder, garder. Trois structures. Garder quelqu'un, garder quelque chose. Pas de préposition. Garder quelque chose de quelqu'un. Garder quelque chose à quelqu'un. D'accord Garder quelqu'un, garder quelque chose. Garder quelque chose de quelqu'un. Garder quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe grandir. Grandir, trois structures possibles. Grandir quelqu'un, pas de préposition. Grandir de quelque chose. Grandir de plus verbe à l'infinitif. D'accord Trois structures. La première, grandir quelqu'un, grandir de quelque chose, pour la deuxième. Grandir de plus verbe à l'infinitif, pour la troisième. Verbe suivant, verbe grossir, grossir, grossir quelqu'un ou grossir quelque chose. Grossir de quelque chose. Donc grossir quelqu'un, grossir quelque chose, grossir de quelque chose. Verbe suivant, verbe habiller, habiller, habiller quelqu'un, habiller quelque chose. Habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. D'accord Habiller quelqu'un, habiller quelque chose, habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. Verbe hésiter, hésiter, hésiter entre quelqu'un, quelque chose et quelqu'un ou quelque chose. Ok Hésiter dans quelque chose, hésiter sur quelque chose et le dernier, hésiter à plus verbe à l'infinitif. D'accord Donc encore une fois, hésiter entre quelqu'un, quelque chose et quelqu'un ou quelque chose, hésiter dans quelque chose, hésiter sur quelque chose, hésiter à plus verbe à l'infinitif. Et voilà. If you want more videos, then YouTube.com/Imagier is waiting for you, and then you can like me on Facebook. I will be so happy, and it's right here. The website is waiting for you. If you want more material, then www.imagier.net. Have a great day. Bye bye.